traduit Mounsao, archi, ou des sauveurs devant tes doigts. Mais pour le présent moment, on a côté n'a pas la voilà, et dans notre direction départementale, donc on va dire que tout bagaille est calme, et otage, et sauf la police, ils vont être entendus par l'équipe du état-major qui sautait pas au prince, et par SDP, direction départementale, et puis tout le travail en fait au cours de journée. Pas de monde qui est blessé, pas de monde qui est mort. Comment est-ce que nous avons dit? Nous, pas essuyé blessé parce que l'opération arrête pour le fait pour nous libérer d'otage. Mais quand il s'agit de prise d'otage, vous connaissez, nous voulons que l'otage soit sauté sain et sauf. Eh bien, l'équipe du haut état-major, parlant de Épine, de Eric Rivé, et autres prisonniers ça qui tendait que l'équipe ça arrivé yo te gitan prêt pour yo libérer otage ben non et yo libérer otage sain et sauf et yo remettre nos trois âmes et n'a continué chercher en dans le lieu parce que gien couteau que nous retrouver n'a continué chercher est-ce que pas gien l'autre âme toujours mais ça nous capable de pour le présent moment c'est que otage yo libéré et tout prisonnier yo en parfait état, et pas de monde qui est blessé, pas de monde qui prend cartouche, et le travail a fait parce que le directeur départemental est présent dans cette opération avec l'équipe qui sortit pour opération pour travailler à finir en bonne étude. Mais, et qui, quand tu es prisonnier qui est dedans, et mais qui ça qui a comme revendication même nous avez demandé? Revendication yo ample. Yo plein pour en pile avec le directeur. Et à d'appeler capable de faire nous parler de ça. Et ils ont revendiqué pour des bagages nous pas capables de nous qui sont injustes, mais cela n'a pas voulu dire qu'ils étaient obligés de prendre des policiers en otage. Ah ben, le fait que vous prenez des policiers en otage, ça veut dire que les revendications viennent venir non avenues. Parce que prendre des policiers en otage avec ZAM, et ZAM d'ailleurs, ils ont entré, et ça c'est qu'à la cause que y a un pile policier à peine qui mourit, ça c'est qu'à la cause où il y a un pile prisonnier qui tombait. Mais le professionnalisme de l'institution, la compréhension du rôle état-major, c'est renforcer effectif la police à la direction départementale là, pour permettre que ça se fasse sans casse, sans heure. Et pour le présent moment, nous sommes capables de dire que ça fait sans casse, côté que otage libéré, et ils ont parti dans les amis qui remettent, ça peut nous dire qu'ils ont parti parce que c'est trois amis qui remettent, et nous allons continuer à fouiller tout secteur en la prison, hein, pour nous, est-ce que pas dans l'autre amis toujours, et bien, ils en parfaite et en bonne et due forme pour le présent moment. Mais et trois amis, ça y est, c'est les amis qui sont dans le même ou bien des amis policiers qui étaient en otage. Il y a déjà une enquête en cours. Nous allons remonter à une petite zone ça, comment on fait entrer en dedans, mais nous pouvons en faire ça, parce que dans la phase délibératrice, ça, nous avons délibéré prison, non seulement de otages que nous avons et sauf de prisonniers ça, qui sont des bandits. Qui te gen zam sa ou nan men yo, et puis nous parlons connaître qui côté zam sa ou sorti, qui provenance yo, et nous pensons que la presse, en tant que yon quatrième pouvoir, et la gen toute information à temps et heure et possible. Qui dégâts au fond des dents? Aucun dégât, pas de dégâts. Pas grave, c'est pas et Cléo. Sur le plan physique, pas de dégâts, mais sur le plan matériel, on connaît un cadenas qui est brisé. Et pour le présent moment, il y a le commissaire de gouvernement, le juge de paix et la police avec les responsables des unités venues de Port-au-Prince et ça, ainsi autour, sous l'obédience direction et directeur départemental là, cap contrôler les dégâts et puis pour nous remédier à la situation. Ça. Mais ça, nous capable de dire actuellement là que tout bagaille calme, otage, qui c'est une pièce qui est plus importante dans le cadre opération ça, otage libéré, il y en a mais nous pas de prisonniers qui victimes, nous pas de bandits autour qui victimes parce qu'il n'y a pas de camper en face. La police, ils étaient prêts pour remettre les armes, ils étaient prêts pour remettre otage. Quand il y a ces responsables qui arrêtent, c'est l'histoire des enquêtes pour nous remonter à filiale, côté sa sortie, et qui prouve et qui ça a été fait, derrière, ça qui est paré pour le fait de la prison civile. Mais qui laisse mon petit à la base des mouvements, ça, à quand cet moment dans la prison? Je crois vous avoir bien dit, monsieur le journaliste, on est à la phase d'enquête. C'est enquête qui va révéler tout ça. Et ça qui est plus important pour nous, c'est libérer les otages, que c'est des policiers nous libérer. Et bien, enquête qui va le définir, va le déterminer qui est-ce qui est à la base et comment nous avons fait pénétrer en cette prison. Je pense que il y a des réponses appropriées à tout éventuel bagage là. Je pense que dans heure et jour qui va venir, la presse est au courant de tout bagage.
Voilà. Darren, me pose pour parler anti question et Darren me pose pour parler anti question et Jackson. Oui. Porte-parole. Porte-parole. Oui. Oui, oui, nous t'avons posé une petite question. Donc, bon, en clair, actuellement là, la police reprend contrôle situation dans la prison. Donc, ça veut dire que la police entraîne dans la prison. Actuellement là, dans une minute ou sinon dans une seconde, la police prend contrôle situation. Prison civile, elle est complètement occupée par la présence policière. Mm-hmm. Et pendant que y a des fouilles qui ont fait en dans le lieu, et mm-hmm. c'est des fouilles pieuses, côté que j'avais cherché tout indice et qui était en dans le lieu pour nous remonter à des informations appropriées pour nous connaître non seulement provenance et action ça qui perpétré dans la prison civile hier là, pour nous connaître auteur intellectuel, auteur physique. Et je pense que la police, la direction départementale, là, sous l'obédience pour l'état-major, la police, là, a bien réponse à vous. Et ça veut dire que les prisonniers, ils ont regagné ces lieux normalement? Depuis hier soir, tout prisonnier était entré dans ces lieux, était fermé, mais il y a des cellules qui étaient brisées. Et c'est ça que nous avons préparé là, pour nous mettre les prisonniers dans ces cellules respectives mm-hmm. et en bonne condition. Mais hier, depuis hier soir, le directeur a été inculqué l'ordre côté que toute prison de un mégaphone est entré dans ce lieu. Pas de monde qui était sur la prison. C'est seule la police et qui est nulle part dans les périmètres extérieurs et sous en l'air toute prison. Mm-hmm. Les prisonniers étaient déjà en dedans déjà. Okay. Et matin encore, tous les prisonniers sont en dedans. Puisque il y a une brise de scellés de cadenas, la police a fait tout ce qui est possible pour remonter à ça, pour remonter fait qui brise pour police et pour prisonnier ça, retrouver dans ces lieux en parfaite sécurité. Ok, il y a un incident similaire qui est arrivé dans la prison civile Gonaïve mois passé, à côté que, j'aime dire, c'est un incident similaire, puisque les prisonniers ont été occupés espace là, et pendant toute en soirée, et le lendemain, gagné cas de viol que des organisations de défense des droits humains t'a fait état de yo. Et nous songez, ça t'est pour vous qu'on scandale. Maintenant, nous apprenons que dans prison, un chelan, et gagné, et fille, femme, qui dans prison, un chelan tout, est-ce que, et nous t'es assuré, nous que, dans niveau la police, la justice, que, mesdames qui dans prison ont ça, yo pas de victime de viol collectif? Aucune femme n'a été violée et lors de nous capables de les bagages qui viennent dans la prison, mesdames ont été en parfaite sécurité et matin encore nous en dans la prison ensemble avec pas une agression ni physique ni verbale qui était faite sous mesdames de la part de agresseurs. Nous capables garantir population haïtienne hein, que les femmes prisonnières de la prison civile de Hinche n'ont pas été violées. Donc ça veut dire que papa n'a aucune possibilité pour que les prisonniers femmes garçons mélangés par rapport à ça fait hier là. Parce que m'a qu'on est configuration prison moi-même. M'a qu'on est configuration prison, est-ce que tu as une possibilité pour un mélange comme si prisonnier garçon à la zone côté mesdames hier, est-ce que pas de risque ça? Non, pas de risque parce que prison à un standard international garçon n'ont pas famille dans chambre séparée, pas de relation entre monsieur avec mesdames dans pièce condition. Et face à ça crivé à tout nous pensons que on nous a pensé que monsieur était à péter cadenas mesdames non tel n'a pas été le cas les dames de la prison civile je vous le dis à toute franchise n'ont pas été ni agressées sexuellement ni violées. Combien y a en tout mesdames y a près d'une vingtaine il y a plus d'une vingtaine et qui me défendent de nombreux ou d'adou quantité directement mais pour prison civile là ils ont effectif de 550 en montant de prisonniers ça qui fait purger peignot et ça qui vient pour continuer la procédure judiciaire. Ah ben d'accord, merci en ville porte-parole. Bon, ça a été vraiment un plaisir et d'après rassurer la population hinchoise que pour le présent moment que la ville de Hin il y a un calme total parce que nous sommes capables d'otages et prison, la police prend contrôle prison avec l'appareil judiciaire et par un cas, il y a du choix à s'inquiéter. Ok, eh bien merci en pile porte-parole PNH et département Saint-Lan. Otela Jackson. Oui.
Donc pour le moment, donc la police continue à fouiller et cellulio. Donc nous cas dit que calme plus ou moins retourné dans la prison en tout cas par rapport à précision pour parole dans sous bail. Effectivement, on y a ces fouilles qu'a fait et agent yo en dedans prison en qu'on y a, il a fait fouille dans chaque cellule, mais depuis avant, il était exigé yo pour être capable remettre et otage yo met otage dehors. Après ça yo te remettre et trois armes calibre 9 mm et chargé et on y a là yo dit yo pas encore gain couteau gain l'autre bagaille yo remettre mais fait certain et une fois yo dit yo pas gain encore et agent yo on y a yo rentré en dans prison en cellule il a fait fouille il a travaillé il a fait fouille en dedans OK ben mandé yo ben mandé yo pour ministère gouvernement tout en dedans OK ben mando deux agents à peine que yo libéré que yo été retenu en otage depuis hier yo libéré côté yo toujours dans prison ou bien il y a l'autre côté avec yo est-ce que yo là oui yo même agent yo libéré yo été dans la cour et donc ou pas ouais yo, mais c'est sûr que nous espacons toujours non yo même yo libéré yo mettez dehors depuis au fin mettez dehors et yo pas jamais des bon dieu pour ta retourner en dedans non et service encore yo lagué yo traumatisé femme du figi nèg yo gantan défiguré nèg yo gantan et femme du défaite net parce que yo sorti en bas malheur yo sorti en bas malheur parce que baron qui sa prisonnier t'es qu'a fait avec yo et ben merci en pilote là pas de problème et maintenant ou maître était sur place et depuis qu'il y a une évolution donc ou capable d'être venu et sur radio pour capable informer auditeur et vision de million mais maintenant et bon ça pour nous retenir madame monsieur de situation qui t'est gagné en prison et Villench depuis hier après-midi côté que gagné une tentative d'évasion qui est faite en prison ça donc prisonnier était pris en otage deux et agent APNA et c'est inspecteur Jean Wilmac avec Jean Josie son agent 1 eh ben jodi a là donc après au fin de son nuit situation était toujours très compliquée dans prison eh ben jodi hein, et prisonnier yo décidé libérer deux et agent en APNA sa yo deux agent APNA sa yo yo libéré jodi a yo remet tout et trois armes à feu donc il y a des précisions que porte-parole PNH dans département central n'est pas en mesure pour le bail et est-ce que c'est effectivement ce genre d'information fait quoi ces armes de service.